Je pense qu'il est très important de relever les défis internes et externes, mais c'est précisément la raison pour laquelle la confiance dans la politique et la confiance du peuple sont essentielles. Le PLD doit changer, et pour prouver que le PLD change, la première étape est que je ne me présente pas au vote pour la direction du parti et que je démissionne. Âgé de 67 ans, il est entré en fonction en 2021 et a dû faire face à un scandale de corruption, à la hausse du coût de la vie, à l'affaiblissement du yen et aux retombées de la pandémie de Covid. Sa cote de popularité a chuté à 15% en juillet, soit le taux le plus bas enregistré par un Premier ministre japonais depuis plus de 10 ans. La réaction de l'opinion publique a été mitigée. J'ai été surprise, mais je pense qu'il a senti qu'il ne pouvait pas continuer à cause des scandales et des critiques sur le gaspillage de l'argent des contribuables. C'est le moment d'une transition de pouvoir entre les générations. Il voulait probablement faire plus, donc je suis sûr qu'il est déçu, mais je pense que c'était une sage décision. Personnellement, j'aimerais qu'il reste un peu plus longtemps en tant que Premier ministre. Peut-être qu'il était stressé par les faibles taux d'approbation, mais avec toutes les circonstances qui l'entourent, je pense qu'il n'a pas d'autre choix que de démissionner.